Bonjour, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle capsule, un nouveau tirage alchimique. Alors j'ai été voir mes cartes, j'ai été voir mes livres et c'est l'oracle des anges. Alors je ne l'ai jamais utilisé, je l'ai reçu il y a plusieurs années, c'était un cadeau. L'oracle des anges, 72 anges, 72 anges pour vous protéger. De Laure de Matarelle et Émilie Porte aux éditions Françoisir, qui m'a clignoté. C'est marrant parce que vraiment, c'est un jeu que je ne connais absolument pas. On va y aller, on va voir ce qui se passe, et puis je vais vous donner comment dire, mon impression. Peut-être que ça va être même un ange que je connais pas. J'espère que tout le monde va bien. Et c'est l'ange Seeyar. L'ange numéro 28. Il s'appelle Seeyar d'après ce jeu. Donc on voit une tour. Ça me fait penser à la Maison Dieu dans le tarot Marseille. Où on voit vraiment une tour qui s'effondre, quelqu'un qui saute et puis un ange qui rattrape, qui récupère. Je vais voir ce qui est écrit, puis après je vais vous partager mes envies, mes ressentis, mes impressions. Seeyar, le sauveur. Ange de longue vie qui protège des chocs physiques et psychologiques, qui accorde prudence, résistance et vitalité. Dans cette image, proche de la Maison Dieu du tarot de Marseille, un ange tend les mains pour rattraper une personne qui tombe d'une tour. L'édifice, qui est ici symbole de vigilance, est frappé par la foudre. Une prudence insuffisante n'a pas su prévenir cet événement soudain. Seule l'intervention angélique peut éviter un choc violent. L'ange est vêtu d'une robe verte, couleur de la bonne santé, qui résulte d'une harmonie entre le corps et l'esprit. Cette énergie thérapeutique encourage à la détoxication et au dégagement des dépendances. Autour de la tête de l'ange vibre un halo guérisseur. Qu'est-ce que je vais vous lire? Parce qu'il y a l'invocation de Seeyar, que lui demander, votre ange gardien. Comme ça, vous entendez les voitures qui passent parce que je n'ai pas fermé la porte. Cet ange est invoqué pour se préserver des accidents corporels, se rétablir rapidement d'une opération ou de tout choc physique ou psychologique. Sa présence écarte les maladies psychosomatiques et particulièrement les allergies, les eczémas et d'autres problèmes dermatologiques. Seeyar encourage aussi un équilibre de vie et des habitudes de tempérance. Gage de bonne santé face à la maladie, il améliore la vitalité et la résistance. Enfin, cet ange de longue vie favorise une vieillesse agréable et alerte. Mot-clé équilibre, prudence, tranquillité, objectivité, sérénité, sang-froid, résistance, courage, fermeté, adaptabilité, récupération, vitalité, énergie, tempérance, désintoxication, longévité et guérison. Alors, on va aller dans l'activation de cet ange. Je ne vous cache pas que je ne connais absolument pas, que je découvre. Je ne peux pas vous en dire plus. Je vais aller dans la découverte et je vais vous le faire en live. Ouais, je crois que je vais le faire comme ça. J'annule mes stratégies de dissociation face à l'énergie angélique et face à Seeyar. Je reconnais et je sa vibration dans l'aspect cosmique et dans l'aspect tellurique. Déjà, avant d'aller dans l'activation, ce qui me vient, c'est vraiment
Maintenant, prendre conscience de cette qu'on a tout en nous, que l'énergie angélique, archangélique ne se trouve pas à l'extérieur de nous, mais qu'elle est aussi présente en nous et qu'on a à accepter cette part divine, ou cette part plutôt angélique, on va dire, de nous-mêmes et arrêter de la mettre dehors et l'identifier à extérieur à nous. Aujourd'hui, nous pouvons vraiment maintenant, dans ce processus d'ascension, récupérer toutes ces parts qui nous animent, toutes ces vibrations qui nous construisent, aussi dans l'énergie angélique. Et je pense que c'est ça qui fait que je m'approche des anges aujourd'hui. Ce n'est pas l'énergie où que je connais le plus. Pour moi, c'est ok, mais c'est vrai que j'ai jamais pris ange par ange, j'ai jamais fait connaissance avec les anges, plutôt les archanges, oui, que les anges. Mais là, ce qui nous est impulsé, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est aussi se reconnaître dans des parts qui souvent, ben, les anges, ça fait rêver, on les imagine extérieurs à nous, comme des protecteurs, comme chacun sa vibration, c'est doux, c'est agréable, mais apprenez à les découvrir à l'intérieur de vous, à les laisser vivre dedans, comme on l'a fait avec le végétal, comme on l'a fait avec hier la flamme violette. Et j'ai beaucoup apprécié les retours que j'ai eus où des personnes qui utilisent la flamme violette ont senti la différence, où certaines fois elles ressentaient rien. Et là, avec la flamme violette, quand elles utilisent donc la flamme violette à titre privé ou en thérapie ou je ne sais quoi, elles ne ressentaient rien, simplement c'était ok. Et là, elles sentent que ça vit à l'intérieur, ça fait un auto-soin, c'est différent, c'est quelque chose qui apparaît. Et là, ça va être la même chose avec les anges. Alors c'est vrai que le mental et l'ego va se dire, oh mais attends, qu'est-ce qu'elle nous raconte là? S'identifier à un ange, mais c'est du gros n'importe quoi. Et pourtant, alors oui, l'ego, lui, va pas. L'ego et le mental, il va peut-être être surpris. Mais on n'est pas là pour justifier, enfin je ne suis pas là pour justifier, je ne suis pas là pour vous amener des grandes théories, je suis là pour vous faire vivre une expérience intérieure, pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment vous le ressentez, et vous rappeler que vous avez tout en vous, mais on n'est pas là pour le vivre à travers le mental ou à travers l'ego, on est là pour le vivre à travers le cœur, en total alignement, en totale humilité. Sans que ça devienne une force égotique. Et ça, c'est important de le comprendre. Vivez-le, intégrez-le, laissez-le se déployer à l'intérieur de vous et observez-vous sans en faire une force égotique de superpuissance. Non, c'est pas ça qui est demandé parce qu'en fin de compte, on est tous des extensions divines, qu'on a tout à l'intérieur de nous, donc les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, etc., font partie de ce tout en nous. Les élémentaux, je pense que je vais aussi vous montrer une activation avec les élémentaux pour que vous le viviez et qu'on fasse aussi sur d'autres aspects. Élémentaux, c'est plutôt tellurique. On va aller même dans des élémentaux qui sont moins connus pour aller dans tous les aspects de notre être. Donc on va aller voir cette activation, je vais le faire et je vais partager avec vous ce que je ressens. Je demande l'activation de Seiyar sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. Alors tout de suite là, sans commencer par le tellurique, moi je dirais une joie immense à l'intérieur et des retrouvailles. Enfin, tu m'acceptes, enfin tu reconnais cette part et tu sors de la dissociation, tu te reconnais. Et aussi bien dans le corps. Et ça amène une douceur infinie et une joie qui est... Bon, je ne peux pas vous l'exprimer. C'est presque... Voilà, c'est comme si on était dans un...
de la ouate dans dans des nuages, mais sur terre, dans le corps. Je vais aller dans l'aspect tellurique. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Et là, la différence, c'est ça en train de réveiller en moi des parts de moi qui ne croient même pas à la présence angélique. Et j'entends à l'intérieur de moi dire non mais t'es en train de faire quoi, tu crois quoi, c'est du n'importe quoi. Et d'un autre côté, en même temps, la transformation se fait et ça rassure, ça réconforte, ça amène une douceur qu'on pourrait identifier comme une douceur maternelle, mais qui n'est pas maternelle, vu que c'est de toute façon angélique. Mais ça porte. Je me sens portée à l'intérieur, sécurisée, comme si on me prenait la main et que je suis là, je peux te rassurer. Et ça me fait voir en moi toutes les parties de moi qui étaient en insécurité et qui peuvent se retourner et qui peuvent retrouver cette sécurité avec cette intégration et en permettant à Seyar de vivre à l'intérieur de moi. C'est une vibration, ok, mais c'est une vibration rassurante. C'est une vibration de pur bonheur. Je dirais même de guérison. Au niveau corporel, je vois que c'est en train de passer en... Vous pouvez imaginer comme un baume qui est en train de se déployer au niveau corporel et puis qui est en train de... Toutes les petites blessures qu'on pourrait avoir, toutes les petites égratignures, en train de se faire cicatriser. Alors, beaucoup l'aspect protection, mais alors là, il parle le sauveteur, hein. Mais vraiment cet aspect protection, enrobant, la joie, bien sûr, mais je me sens portée aussi dans mon corps maintenant. Si au début, mon corps, il était en train de réagir en disant, mais non, t'es en train de faire n'importe quoi, ça n'existe pas les anges, et puis non, en laissant juste vivre la vibration, l'information à l'intérieur de moi, le corps, il est en train de dire « Ah, mais ce que ça fait du bien !» Et il se reconnaît. Donc, le corps, ma part tellurique, est en train vraiment de se reconnaître. Et une collaboration, c'est difficile à vous expliquer parce que c'est dans ma multidimensionnalité intérieure, mais une collaboration est en train de se faire dans le corps, pour rassurer mon enfant intérieur, mais aussi rassurer toutes les cellules, toutes les parts de moi qui étaient dans une totale insécurité. Je peux que vous encourager à vivre l'expérience, à aller dans l'intégration, à accepter ce qui se passe, à ressentir, à observer. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes ressentis ou la même lecture que moi. Alors oui, je suis habituée à aller dans le corps. Je suis habituée à décrypter tout ce qui se passe intérieurement, toutes les informations intérieures, à faire des lectures dans le tellurique cosmique, galactique, enfin dans mes cellules, dans mon corps, dans mon mental, dans mon cœur, dans mon enfant intérieur, enfin dans tous les aspects de moi-même. C'est un jeu pour moi. Je suis habituée de fonctionner comme ça. Et parce que j'ai développé ce sens-là et je l'ai fait encore et encore et encore et encore. Alors oui, peut-être que vous aurez moins de ressentis ou
pas, peut-être plus. Vous aurez peut-être des images, vous aurez peut-être de la chaleur, des picotements. Mais ça travaille encore et je peux que vous dire, mais prenez un moment pour vivre cette expérience comme un soin, comme un cadeau et laissez même Seiya vous faire un soin. Pour vraiment qu'il se déploie totalement en vous. Là, je vous rappelle que nous sommes dans des activations. Nous ne sommes pas dans la maîtrise des éléments. Alors là, c'est un ange. Hier, c'était le feu violet. C'est les plantes, c'est les animaux. Pour aller dans la maîtrise totale de l'élément, ça demande vraiment de faire un nettoyage complet, de le vibrer et qu'il soit en vous. Sans avoir besoin d'aller l'activer ou le reconnaître. Et là, on est vraiment dans une activation pour permettre que ça existe à nouveau en vous. Et après, à vous de continuer, de demander que ça s'active, de demander que le travail se fasse toujours plus profondément en vous. Jusqu'au jour où ben, vous sentirez que vous aurez la maîtrise parce que par rapport aux explications qui vous sont données, vous pouvez vous reconnaître en disant « Ah, oh, ben, j'ai passé par là, oui, d'accord, ok, c'est bon. » Et des fois, on se dit « C'est bon. » Et puis, quelques mois après, en disant « Ah non, il y avait encore une couche. » Ce qui est réveillé avec chez moi actuellement, il y a aussi des parts de moi-même qui ont faim. Et qui n'ont pas faim de nourriture extérieure, qui ont faim de douceur. Là, ces derniers temps, beaucoup de questions m'ont été posées par rapport au féminin sacré et à la douceur. Et là, je vois vraiment ces parts-là qui sont en train de se réveiller chez moi aussi, et puis qui sont en train de se dire, ah, c'est ça la douceur, on m'en donne enfin. Et pour les personnes... Ça travaille au niveau de l'estomac, au niveau du foie, tout ce qui est cœur. Les intégrations, les transformations sont en train de se faire. Voilà, c'était une vidéo un peu plus différente, un petit peu plus courte, où je vous fais vivre une intégration en live d'un élément, enfin d'un ange que je connais absolument pas. D'un jeu de cartes que j'ai mais que j'avais jamais utilisé et qui en fin de compte amène des choses intéressantes. Donc j'espère que ça vous a plu, que c'est une belle découverte. Faites-moi des commentaires, donnez-moi vos retours, comment vous le vivez, posez-moi des questions. Comme ça, ça pourrait être intéressant parce que pourquoi pas aller plus profondément avec ces anges et d'en découvrir d'autres si ça vous plaît. En plus de ça, les cartes sont juste magnifiques. Mais c'est vrai que voilà. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des vôtres. Une belle intégration, une belle découverte. Et puis on se dit à demain pour une nouvelle carte. Allez, gros bisous!